On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'une bande dessinée johannaise avec Danny Giroux et Geneviève Brunel des éditions JDG. C'est un beau projet. On les avait reçus le printemps dernier. Et là, maintenant, on arrive avec le produit fini, qui est un produit tout à fait magnifique. Mais d'abord, parlons de Xavier Pilon-Fauché. Il est chef cuisinier, mais aussi enseignant depuis 5 ans maintenant à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Et il a tenu un kiosque qui a fait parler beaucoup durant l'été sur la terrasse de la Trinquette. Si vous avez fréquenté la Trinquette au cours de l'été avec la merveilleuse terrasse à l'arrière, il y avait un service de traiteur ou de restauration qui était là, qui a vraiment fait beaucoup jaser. C'était même une certaine tendance quand les gens y allaient, disaient « Hey, as-tu essayé les trucs? Il y a maintenant un traiteur qui est là, on peut goûter des trucs super intéressants. » Et ça nous a appris évidemment à découvrir Xavier Pilon-Fauché, qui est également enseignant en cuisine à l'École professionnelle des métiers, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. T'es un jeune vieux. T'es comme quelqu'un qui est quand même établi depuis plusieurs années dans le métier, là. C'est pas... Oui, je vais avoir 37 ans au mois de décembre, donc je suis comme dans le juste milieu, c'est ça, exact. T'as commencé comment? Toi, t'as étudié ici même à la polyvalente Racicot? Oui, j'ai fait ma formation il y a environ 18-19 ans à Armand Racicot, qui est maintenant l'EPM, l'École des métiers. Mais ça, j'ai commencé comme, en fait, les élèves à qui je peux leur enseigner. Puis, au fil des années, ben j'ai gardé le goût, le feu pour le métier. Puis, j'ai persisté, puis j'ai avancé. Bon, donc, tu as quand même roulé ta bosse au cours des dernières années. Ouais. Si tu avais à me faire une liste rapide, disons, des établissements, des restaurants pour lesquels tu as travaillé, qu'on connaît, là? Dans le coin, j'ai fait l'enveloppé à l'époque avec Jean-Mathieu Bouchard. J'ai fait l'hôtel des gouverneurs en tant que cadre puis en tant qu'employé. J'ai fait le nautique en tant que sous-chef, en tant que chef. J'ai fait l'auberge Couliam au Lac-Brome. Oui. En sortant de l'école, j'avais commencé avec Paul Hernandez au Fabi à l'époque. Ça fait longtemps. Wow. Sinon, j'ai fait l'Aura qui a ses débuts au quartier 10-30. J'ai changé environ d'établissement toutes les années et demie, 2 ans. Il y a des endroits où je suis resté un peu plus longtemps. Puis à travers ça, j'ai eu un service de traiteur que j'ai pu faire avec Marco Côté, qui est maintenant à Sutton. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que dans le domaine des chefs comme toi, qu'est-ce qui fait justement que... On fait plusieurs établissements sur une période. Là. Puis, tu n'es pas le premier. Là. Souvent, dans votre métier, on dirait que c'est un peu ça. 6 mois, 1 an, 2 ans, max, on change. Il y en a qui s'accrochent les pieds à des endroits où est-ce qu'ils sont confortables. Moi, je me rappelle à l'époque, justement, quand Marco était chez Nozer, M. Nozer lui avait dit après 1 année, je veux te voir partir ailleurs parce que tu vas avoir vu ce que tu as à voir complètement. La boucle se fait en bout de ligne. Fait que moi c'est un ami de longue date, on a fait notre cours ensemble. Fait que quand il m'a mentionné ça, ça m'a ouvert un peu les horizons, en fait, à me dire, OK, ben maintenant, à chaque place où j'ai travaillé, bon, je suis prêt à aller ailleurs parce que j'ai vu ce que j'avais à voir. Okay. Puis j'ai oublié de le mentionner aussi. La dernière place où j'ai travaillé, c'était au Samuel. Là, j'étais sous-chef exécutif là-bas, à mon dernier emploi. Bon. Et là... Mis à part tes expériences professionnelles dans le privé, là, pour tous les restaurants que tu as nommés, les établissements, à quel moment t'es-tu inséré dans cette rotation pour ultimement devenir aussi un peu comme ton mentor du temps ou ton professeur du temps, qui était quoi, Victor Téton? Oui, exactement. Donc, tu as pris un peu la relève de Victor en tant que prof à l'École des métiers. Oui, oui. Mais en fait, moi, j'ai eu la piqûre du moment que j'ai commencé à travailler au professionnel. J'ai commencé plongeur comme la plupart des cuisiniers. Puis Victor, juste avant qu'on quitte notre formation, nous avait dit « Votre formation, en fait, vous ne serez pas des cuisiniers en sortant de votre formation, vous allez avoir une base en cuisine, puis votre formation, vous allez la faire tout au long de votre vie dans le métier. » Ce qui amène, en fait, à n'importe quel cuisinier à exceller par la suite en allant avoir différents établissements, différentes techniques, des nouvelles méthodes, des façons de faire. Du temps où tu étais étudiant à la polyvalente Racicot, est-ce que tu pensais un jour que c'est toi qui allais remplacer Victor? En fait, j'avais jamais pensé être enseignant. Pas du tout? Non, jamais. Tu savais comment?
Moi, en fait, j'ai toujours aimé transmettre mes trucs, mes astuces que j'ai pu développer pour soit la rapidité ou se perfectionner. Puis, en étant chef, sous-chef, j'ai eu des stagiaires moi-même qui venaient des autres écoles. Puis un jour, c'est Julie Trépanier qui est enseignante aussi en cuisine, qui en fait a donné le cue à l'équipe, à l'EPM, pour me dire « Hey, on aurait peut-être quelqu'un que ça l'intéresserait. » Ils m'ont abordé, je savais pas quoi faire. Je dis bah, « Je me lance, je verrai. » Et qu'est-ce qui fait que tu as accepté? Le défi, aussi la famille. Veux pas, dans ce métier-là, c'est difficile. Donc, moi, j'avais un fils, puis j'étais seul à l'époque. Donc, j'avais besoin de plus d'une stabilité. Donc, je me suis dit, bien, je vais l'essayer. J'aimais mieux, à la limite, me planter puis savoir c'était quoi que de juste, comme, pas. Comment je pourrais dire. Éviter de vivre quelque chose de nouveau. Donc, là, ça fait 5 ans? Oui, c'est ma 5e année cette année. Tu as 37 ans. Ça veut dire que tu es devenu, dans le fond, prof à RESCO à l'École des métiers à l'âge de 33 ans? À peu près. Wow. Oui. Et aimes-tu ça? C'est le contact que tu as maintenant avec les jeunes, avec la nouvelle génération, avec les futurs cuisiniers de demain, les futurs chefs? Oui. Bien, moi, j'adore transmettre. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, en fait, c'est qu'ils viennent suivre vraiment une formation qui n'est pas nécessairement apprendre des recettes. C'est vraiment des techniques. Il y a de la théorie. C'est quand même une formation d'un an et demi. Mais j'adore vraiment ça. Bon. Et là, parle-nous du projet qui s'est terminé, là, bien malheureusement, au cours de l'été, parce que même, je pense que tu as fini fin août, début septembre? Fin août. Parce que moi, je suis retourné en septembre, puis là, tu n'étais plus là. Ouais. Ah, Moses, tu n'es plus là. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Comment c'est arrivé dans le portrait, ça? C'est arrivé vite, en fait. L'été passé, ma blonde est enceinte, puis c'était mon premier congé d'enseignant que j'avais, donc j'ai eu 2 mois en vacances. Et j'ai trouvé ça très angoissant. J'ai trouvé ça angoissant de travailler. J'étais anxieux, j'avais besoin de faire quelque chose. Okay. Bon, la piscine, après 3-4 jours, bon, c'est le fun, la piscine, mais il faut que tu t'en ennuies pour l'apprécier par la suite. Puis même, ma blonde m'avait dit, l'été prochain, tu te trouves une job, tu fais quelque chose. Fait que je me cherchais quelque chose pour l'été passé. Puis finalement, c'est les filles la trinquette, des amis à moi qui ont fait, « Ah, t'aurais-tu pensé peut-être, on avait un barbecue l'année passée, prendre ça pour trois quatre soirs semaine. » Puis ben là, j'avais en fait la chance d'être vraiment mon menu, ma façon de faire, mes décors, être dans l'ombre de personne, puis de me faire connaître vraiment en tant que Xavier Pilon-Fauché. Et là, dans le fond, ce que je comprends de l'expérience de la trinquette, c'est qu'au début, c'était comme un essai ou c'était comme quoi on va faire ça une couple de soirs, puis on verra. Puis quoi, finalement, ça a mordu, puis les gens l'ont redemandé. En fait, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu à réfléchir longtemps, étant donné le deadline que j'avais aussi, parce que soit que je le faisais ou que je le faisais pas. Fait qu'en 2 semaines et demie, bon. Rempli les permis, je me suis acheté l'équipement, puis soit que je le faisais ou je le faisais pas. C'était tout ou rien. Tu as commencé à quelle date? Le 2 juin, ça a été ma date d'ouverture. Et tu étais là quoi, 3 soirs semaine? Oui, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Oui. De quelle heure à quelle heure? J'étais ouvert de 5-6 heures à minuit, 1 heure le soir. C'était des bons chiffres. Et les bonnes soirées, là, tu pouvais servir combien de repas? Mon premier soir, ça s'est bien passé. En fait, j'étais content qu'il pleuve à Sio. Ça m'a permis de me setter comme il faut parce qu'on n'est jamais assez près. Mais j'ai eu des. Mon plus gros soir, ça a été 156 couverts. 156? Oui. C'est de la job, là. Sur-tout dans une boîte de 9 pieds par 11 pieds. Oui, c'est pas très grand. C'est comme une cabane, là. C'était une cabane. Super jolie. Ouais. Ouais. T'avais-tu assez d'espace pour travailler? C'était parfait. Tout était calculé. On avait maximisé l'espace. Personne ne se rentrait dedans. J'ai eu des hommes charitables qui sont venus me donner un coup de main. Puis, non, ça a super bien été. Et qu'est-ce que tu as offert aux clients de la trinquette en termes de menu? J'avais 12 choix. C'était un barbecue haut de gamme. Donc, il y avait aussi la sandwicherie à la trinquette. Donc, on ne voulait pas se rentrer l'un dans l'autre par rapport au menu. Donc, je suis vraiment été vers le barbecue. J'avais des tartares, j'avais des plats signature, un ravioli de porc farci au fromage de chèvre. J'avais des burgers gourmands. J'ai amené aussi du tempeh, qui est de plus en plus à la mode, qui est en fait une espèce de patty de fèves soya fermentées. Ouais. Je faisais même des desserts maison. Au début, je faisais pas de dessert. Avec la demande, je l'ai fait.
J'avais des guimauves caramélisées farcies à la mousse de chocolat Baileys, puis toutes mes desserts étaient basés sur l'alcool, en fait, pour que le client ait quand même l'impression de continuer de boire en mangeant. Donc, j'avais des baba au rhum assez corsés. Mais c'est ça qui est le plaisir, parce qu'évidemment, c'est une superbe terrasse hein, qui existe depuis quoi, 20-30 ans, si ouais. C'est plus, c'est devenu une institution, là. Je salue les filles de la Trinquette. Une belle terrasse. Mais c'est ça le plaisir aussi, c'est que tu profites de l'été, tu t'en vas sur la terrasse, tu prends une bière, une consommation. Mais là, le barbecue, c'est parce que c'est l'odeur. Ah oui. Là, tu es assis, puis là, ça sent bon. Et là, tu vois le client d'à côté, et tu te dis, ah oui, tu t'es commandé ça. Ah oui, c'est là. Et là, là ça a un effet d'entrain. Là. Du moment que j'étais prêt, là, je me partais une boulette de bœuf pour les burgers, juste pour commencer l'odeur, pour agacer un peu la clientèle. Ça marchait? Ça marchait. Puis là, est-ce qu'à 3 soirs par semaine, t'en as eu assez pour quand même vivre un peu de vacances de prof durant l'été? Oui, en fait, c'était suffisant. C'est juste correct. C'est de la grosse logistique. Parce que en fait, ce qui était merveilleux dans cette histoire-là, puis la raison pourquoi j'ai réussi à faire des petits miracles comme ça, c'est tout le monde qui a pu m'aider à travers ça. J'ai eu les gens du Dorchester qui m'ont aidé, les gens du Samuel. J'ai eu le Jean-Mathieu du comptoir aussi qui m'a donné un coup de main, parce que moi, j'avais une cabane, mais j'avais pas une cuisine de production. Okay. Donc, j'allais faire ma vaisselle au comptoir. Je faisais livrer ma viande au Dorchester. Jonathan Lancio du Samuel, okay. Il m'a donné un coup de main sur différentes petites choses que j'avais besoin en temps et lieu. Ça fait que ça a été vraiment le fun de voir que tout le monde pouvait se tenir malgré que c'était des restaurants différents. Ouais, mais c'est ça que je trouve, honnêtement, je suis fasciné de ça, de voir cette espèce d'entraide que vous avez entre commerçants du Vieux-Saint-Jean, où vous vous tenez, vous vous aidez, puis c'est une compétition, mais c'est même pas une compétition, on dirait que c'est un complément, c'est-à-dire que si la Trinquette offre ça, mais qu'à côté, comptoir offre d'autres choses, puis le Samuel, puis je sais pas trop, là, Dorchester ou peu importe. Ouais. Bien, on est tous différents, mais on est tous du même milieu, donc on comprend c'est quoi, en fait, l'enjeu, ça donne rien de se piler les uns sur les autres, parce qu'en bout de ligne, on fait pas plus de clients pour autant. Là. En fait, ça crée de la fréquentation dans le Vieux-Saint-Jean et surtout de la rétention. Exact. Puis de la variété. Puis de la variété. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis, là, ce soir, je m'en vais dans le Vieux-Saint-Jean, puis là, bien, je vais pouvoir faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Puis la semaine prochaine, on va y retourner, puis on va essayer ça, puis ainsi de suite. Ouais. C'est ça l'effet, là. Oui. Puis là, évidemment, pour cette saison, jusqu'au mois de juin, tu poursuis ta carrière d'enseignant. Oui, c'est ça. Puis là, pour l'été prochain, est-ce que tu... c'est dans les cartes de... Oui, c'est déjà prévu, là. Xoplace va... Xoplace va ouvrir, va réouvrir, en fait, pour le début juin. C'était prévu. La façon que je me suis équipé cette année, c'était vraiment pour le refaire l'été prochain. Puis en même temps, bien, les filles à la Trinquette, eux, étaient contents parce qu'ils voulaient trouver une façon, après leur 5 à 7, de garder leur clientèle. Donc, sachant que je reviens l'été prochain, ben on a déjà des balises de montée. Fait que c'est un win-win, gagnant-gagnant. Ouais. Puis moi, ben ça va me permettre de cuisiner puis de rester en vie étant cuisinier de nature. Là. OK, fait que ça te permet de pratiquer le métier aussi. Tu l'enseignes, mais tu le pratiques aussi. C'est un besoin. C'est un besoin. Oui, c'est une carence. Je cuisine pas, je suis en carence. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de sortir un peu tout ce que j'ai dans ma tête. Bien, Xavier Pilon-Fauché, merci beaucoup. Merci félicitations. Beaucoup. Bonne chance dans la carrière de prof et aussi dans la carrière qui se poursuit 3 soirs par semaine durant 3 mois. Hein? C'est à peu près ça? Oui, à Xoplace, juin, Trinquette. Juillet, août, à Xoplace, dans la terrasse de la Trinquette. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du lancement de l'Alliance, une bande dessinée joannaise. Do 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 do
Le monde a besoin de héros. Lancement de l'Alliance, bande dessinée joannaise. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, Dany Giroux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève Brunel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Faisons un bref historique. Oui. Le début du début, le début du commencement, l'idée émerge de où et quand? De ma tête, quand je travaillais en boutique avec un de mes amis, on parlait souvent de l'Alliance. Puis, dans le fond, c'était un regroupement d'histoires qu'on se faisait parce qu'on avait un peu trop d'imagination. On a commencé à écrire sur Facebook, puis moi, j'ai continué. Puis, Geneviève a toujours poussé pour rendre le sujet plus intéressant. Et finalement, bien, le 2 ans, on a décidé de vraiment comme, se lancer en affaires, en bande dessinée. Donc, on a décidé de lancer l'Alliance plus sérieusement. Bon, quand on s'est vu, nous, c'était quoi? À quel moment de l'année on s'est vu? On était en production, c'était… plusieurs mois, c'était quoi? Ouais. C'était l'hiver passé, peut-être? Je ne sais pas trop. Ouais. L'hiver passé? L'hiver passé? On était en production. Mais là, à ce moment-là, vous étiez en préparation, en production. Exactement. Le projet commençait, dans le fond, à prendre forme et tout ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé, disons, du printemps jusqu'à aujourd'hui? Bien, en fait, on a beaucoup travaillé avec le CLD. Ils nous ont aidé à monter le plan d'affaires. On a été chercher des partenaires financiers qui nous ont aidés à produire le livre. On s'est investi aussi beaucoup dans le projet. On a eu la chance de trouver deux jeunes artistes qui travaillent avec nous, des artistes de la relève qui sont vraiment talentueux, qui se sont investis beaucoup dans le projet, fait que ça nous a aidés énormément. Et on a eu un rush intense, je dirais, de 3 à 4 mois à chaque jour. On travaillait de soir sur le projet, que ce soit la réalisation, les dessins, la couleur. Bon, parce que ce qui est intéressant, d'une part, c'est de la passion, c'est du divertissement, c'est un peu de la folie, hein, c'est un scénario et tout ça. Mais en même temps, c'est une entreprise, c'est un plan d'affaires, c'est quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui est aussi rationnel. Est-ce que c'est toi qui es le côté rationnel de la chose? Oui, un peu plus. Côté affaires, c'est plus moi. Côté marketing aussi. Dany, c'est l'auteur. Donc, c'est lui qui a plus l'idée, le montage, la bande dessinée. Moi, j'étais plus là pour… Pour le ramener sur terre? Le ramener sur terre, des fois, on part les deux ensemble. Okay. mais dans le fond, plus côté marketing, côté gestion du budget aussi, puis qu'est-ce que ça a demandé comme planification, justement, là, l'aspect logistique de l'affaire? Planification, bon, on a travaillé, comme Dany dit, beaucoup avec le CLD. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés avec le plan d'affaires, à bâtir le plan d'affaires. On a rencontré des partenaires financiers, donc la gestion des rendez-vous, la gestion du budget, les factures des sous-traitants, les gens qui faisaient les coloristes puis les illustrateurs. C'était plus ça, la gestion là, du côté administration, si on veut, c'était plus ça. Côté marketing, c'était plus gérer les événements qui s'en venaient cet été. On a été beaucoup à Terrebonne, à Blainville. On a été beaucoup aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec la coordination du Vieux Saint-Jean? Oui, bien, dans le fond, les événements organisés par l'été chaud. Fait qu'on a. C'est beaucoup d'organisations pour l'horaire. L'idée, dans le fond, c'était de mettre l'eau à la bouche, de faire connaître un peu le projet. Exactement. De créer des attentes. Oui, mais on prenait des photos avec les familles, on faisait des concours, on essayait d'entertainer un peu tout ça. Créer un photo booth avec des accessoires. On a eu un montage en arrière, l'arrière-plan, c'était un montage de la bande dessinée. C'était très agréable de rencontrer jeunes et moins jeunes fans de la BD. Évidemment, pour les gens qui ne savent peut-être pas encore c'est quoi ou juste, mais quand on parle de l'Alliance, l'Alliance, c'est quoi? C'est un groupe, c'est une ville, c'est du en monde? En fait, l'Alliance raconte l'histoire d'un jeune homme dépressif qui fait la rencontre d'un justicier qui protège la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il décide d'embarquer avec eux. Puis c'est vraiment un groupe. On s'en rend compte un peu plus loin dans le livre que c'est un groupe qui va vraiment protéger la ville. Dans les tombes à venir, on va peut-être s'étendre plus qu'à Saint-Jean, mais l'histoire principale se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à la fin, on voit vraiment les débuts du groupe, comment est-ce que ça fonctionne, leur horaire, leur agenda, c'est qui fait le costume. Qui sont Patrick Blanchette et Michael Bédard? Patrick Blanchette est l'illustrateur, celui qui a fait les dessins. Michael Bédard est celui qui a fait la couleur, le montage du livre, tout ce qui est… Infographie, c'est Michael. Et comment les avez-vous trouvés, Geneviève? Sur Internet. Kijiji. Oui. Ah oui, sur Kijiji. Sur Kijiji. Oui, on les a rencontrés sur Kijiji. Ah oui, c'est vrai? Oui, pour vrai.
Parce qu'ils vendaient quelque chose ou parce non, que... Non, on a fait une annonce non, parce qu'en fait... Okay, vous avez fait une annonce, okay, oui, okay. Ça a été très laborieux de trouver les illustrateurs. Dans le fond, ouais. On a rencontré plein de gens, mais ça ne fonctionnait pas. Vous avez mis une annonce sur Kijiji pour dire que vous cherchiez un illustrateur. Exactement. On a tout essayé. Puis c'est là qu'on a trouvé... Ils viennent d'où, ces gens-là? De Québec. De Québec, oui. Et là, quoi, ils vous envoyaient des maquettes, des trucs pour voir un peu ce qu'ils faisaient? Ou t'as envoyé une partie du texte pour dire « voici comment moi je le vois? » Bien, les textes étaient déjà faits en gros. On n'avait jamais fait de bande dessinée, fait qu'on ne savait même pas comment faire un script à la base. Ouais. C'est un peu Patrick qui nous l'a expliqué. Mais il m'a envoyé des croquis du personnage principal de Red Hawk, qui est à la deuxième page de couverture, si vous voulez voir. J'ai vraiment aimé le style qu'il y avait. Puis on a décidé d'aller de l'avant. Michael, lui, c'était surtout au niveau de la couleur. Le style de dessin, il était plus ou moins à l'aise, mais la couleur, c'est une machine, si on veut. Là. Il est vraiment très talentueux. Et ça a cliqué tout de suite. On a décidé de travailler ensemble. Puis ça a donné qu'on allait pour un congrès en juillet l'année passée à Québec. Donc, on a décidé qu'on ferait une pierre deux coups. On les a rencontrés, ça a cliqué. Puis on a signé l'entente avec eux pour le premier tome. C'est un très, très beau produit, honnêtement. Je ne sais pas si vous êtes fiers de ce que... Oui. Je ne sais pas si ça correspond aux attentes que vous aviez au départ. Là, mais bien, en fait, honnêtement, c'est un beau produit. On est assez picky, si on veut. Là, on voulait un produit de grande qualité. On était chercher un bon type de papier, un bon type d'impression. On a fait ça au Québec. Le produit 100% québécois. Et on voulait aussi arriver... un peu dans les genoux de la compétition américaine, dans le DC Comics, Marvel, les prix sont quand même dans ces eaux-là. En français, c'est plus cher. Nous, on veut leur offrir un produit abordable, d'aussi bonne qualité, sinon meilleur, et vraiment se démarquer par ça. Et là, Geneviève, c'est quoi le plan marketing à partir de maintenant? Parce que là, vous avez procédé au lancement. Là, maintenant, on l'a en vrai, oui. On le sent, on peut le voir, etc. Mais là, maintenant, dans toute cette industrie que moi, je ne connais pas beaucoup, évidemment, c'est en français et tout ça. Bon, c'est au Québec, c'est bien. Mais c'est quoi maintenant le plan de match au niveau du développement, que ce soit ici ou en Europe ou je ne sais trop? Là? Le plan de match, c'est de faire la tournée des librairies québécoises. Ouais. C'est qu'on commence par Saint-Jean, on va être distribué entre autres au tome 2 à Saint-Jean, où que notre lancement est jeudi, ouais. Le 8 octobre. Puis après ça, il va y avoir la librairie moderne, puis on va contacter dans le fond toutes les librairies locales. Donc vous allez le distribuer locales. Maison, là, oui, si c'est on veut, ça. C'est une autopublication dans le fond, donc on doit rencontrer chaque libraire. Un à un pour vendre notre produit. On va aussi participer aux conventions. On va être au Comic-Con de Québec le 17 et 18 octobre prochain. Puis, okay. C'est ça. Donc, on va vraiment... Le but, c'est vraiment de contacter les libraires puis de vendre notre produit aussi en convention. Puis, dans un monde complètement fou, là, c'est quoi votre rêve ultime, c'est de le distribuer en France, en Belgique, dans la francophonie, de le faire traduire? Pour le moment, il est en français. On planifie le traduire en anglais pour les conventions à Ottawa, à Montréal aussi. Puis, à la grandeur du Canada, qui sait, on peut, oui, on peut aller. Il y a plein de conventions. Il y a des conventions de Comic-Con à New York, pourquoi pas San Diego. Hein? C'est le monde des super-héros, mais c'est super populaire. Oui. Bien, c'est sûr qu'avec les films que Marvel et DC Comics font, ça crée une tangente. Donc oui, ça peut nous faire un certain levier. Puis les conventions sont de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses. De plus en plus populaires aussi. Oui, les gens y vont partir. On a rencontré beaucoup de monde qui... C'est un milieu un petit peu plus secret, le monde qui va dans les conventions, mais c'est... Le Comic-Con a, je pense, a eu 50 000 invités. Mais le monde de la BD, bon, moi, évidemment, je suis un peu plus âgé aujourd'hui, mais bon, quand on était jeune, on lisait les Lucky Luke, les Tintins, etc., etc., on les connaît, là, et Gaston Lagaffe et compagnie. Maintenant, avec ce monde des super-héros, comment on fait sa place dans l'industrie de la BD, dans l'industrie de la bande dessinée, aujourd'hui, là, en 2015? On travaille très fort, premièrement, il faut vraiment travailler fort. J'imagine qu'il faut être original, qu'il faut croire vraiment à son produit. Oui. Une fois qu'on y croit, puis qu'on peut persuader les autres de lire et de nous suivre, bien, je pense que là, c'est le lecteur qui va décider s'il aime ou il n'aime pas. Mais le lecteur, c'est qui au juste? On a fait l'alliance de façon assez générale. Dans le fond, il n'y a pas de type d'âge, je vous dirais, de 13 à 55 ans. Ça peut aller plus haut aussi. Il n'y a pas vraiment de type d'âge, c'est général. On voulait pas se catégoriser dans une certaine
tranche d'âge pour priver une clientèle possible. Et là, est-ce que tu as déjà en banque un tome 2, un tome 3, un tome 4? Est-ce qu'il y a en une suite à l'histoire? J'en ai 5. Le deuxième est pratiquement écrit. Trois autres qui vont suivre, dans le fond, sont à produire. Mais on a d'autres projets aussi. On travaille avec Michael Bédard sur un projet qui s'appelle Emprise, qui est sa propre création, qui veut éditer avec nous. Il y a aussi Geneviève Nationale, qu'on devrait lancer en 2016. Donc, c'est vraiment, tout dépendamment de comment est-ce que les ventes vont bien aller, on va créer le tome 2 et ainsi de suite. Et en quoi l'inspiration de Saint-Jean-sur-Richelieu est-elle reflétée dans les événements, dans les lieux, dans les personnages? Quelqu'un de Saint-Jean qui lit ça, là, il se retrouve comment? Il y a certaines pages dans le livre qui se passent à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on peut vraiment reconnaître la ville. Quelqu'un d'originaire de Saint-Jean va s'en rendre compte. La couverture, c'est sur la rue Richelieu. Oui, tout à fait. Donc, on n'a pas autant reflété qu'on le voulait, mais dans le tome 2, c'est sûr que ça va se passer beaucoup plus dans la rue. Là, on introduisait beaucoup les personnages, donc on était quand même limité, mais on voyait quand même des petits clins d'œil via Saint-Jean. La bande-annonce aussi qu'on a fait. Ça passe à Saint-Jean, puis le monde se reconnaît quand même. Donc. Et là, le super-héros, il ne meurt pas à la fin. Il va falloir le lire. C'est ça. Bien, à vous deux, merci infiniment. Félicitations. C'est vraiment un très beau produit. Meilleure des chances pour la suite. C'est une belle innovation de voir qu'une bande dessinée originale qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, inspiration joannaise, donc disponible Librairie Moderne. C'est bien ça? Tombe 2. Librairie Moderne, Tombe 2. Tombe 2 ici sur la rue Saint-Jacques. Archambault-Brossard et... bientôt, plusieurs autres librairies. Vous avez une page Facebook, bien évidemment. Oui, l'Alliance Montérégie. Alliance Montérégie. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est le Salon Art et Artisanat, la fin de semaine du 24 et 25 octobre, de 10h à 16h, au Centre municipal de Sainte-Brigide. Et c'est organisé par les gens de La Féas. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Et ne manquez pas, bien sûr, le télébingo tous les dimanches matins en direct avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.